Moi, mon avis sur les gars, c'est cool. Je vais me faire. Nice play, bro! Thank God they fucking missed. Look, 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 look this goal! Look this goal! C'est vrai qu'à moi, c'est pas ouf, un peu surcoté. Et on finit le travail, le renard de surface! Quand il perd son bras et tout, bon, je spoil pas, je viens de spoil. Bref. En cette première partie live, on va se faire une petite tier list des animes dispo sur Crunchyroll. Déjà, qui regarde des animes dans le chat ou qui lit des mangas? Mais je sais que souvent, quand je regarde dans mon canap ou quoi et que je filme mon écran, il y en a qui disent « Tu regardes sur quoi ?» etc. Et bah, je regarde sur quoi, les amis? Je regarde sur Crunchyroll. Et en plus, c'est vraiment vrai. Et ils ont été bons parce que je leur ai dit que je voulais faire une tier list des animes Crunchyroll. Alors, je les ai pas tous vus, mais il y en a pas mal que j'ai vus. Et ils ont été chauds pour faire le live avec moi, etc. Et on a une petite offre pour vous. Alors, pour ceux qui connaissent pas Crunchyroll, les gars, je vous mets sur le PC. C'est un site où vous pouvez regarder plein d'animes différents, les amis. Actuellement, c'est le premier site mondial. Donc, n'hésitez pas, ceux qui veulent prendre un abonnement, parce que peut-être que ce live, il y en a qui regardent des animes que je vais vous dire, ouais, j'aime bien celui-ci, j'aime bien l'autre. Peut-être qu'il y en a qui veulent aller regarder. Et en tout cas, tous ceux qui veulent, ça sera dispo sur Crunchyroll. J'ai mon abonnement Crunchy. Et ceux qui n'ont pas d'abonnement, vous pouvez aller dans la description. Il y a un lien. Et si vous prenez un abonnement, vous aurez un mois gratuit avec le lien dans la description. Du coup, je vous offre un mois. Et parmi tous ceux qui prennent le mois gratuit avec le lien dans la description, on fera un tirage au sort et on vous fera gagner 3 mois offerts. Voilà. Ceux qui regardent des animes mais qui savent pas trop où regarder, ceux qui veulent en regarder, bah sachez que sur Crunchyroll, il y en a la masse. Regarde, si je vais dans naviguer, je vais dans, je sais pas moi, je vais dans populaire. Mec, Téma. Téma, les gars. Vous êtes servis, les frères. Et les amis, sur Crunchy, il y a aussi beaucoup d'animes avec la VF en VostFR. Donc, pour ceux qui veulent regarder les animes avec les voix japonaises, mais sous-titrés en français, il y a. Ceux qui veulent regarder en VF, il y a. C'est parti, on va commencer. Je vais commencer quand même avec un qui va bientôt avoir la nouvelle saison. My Hero Academia. Vous le mettrez où, à votre avis? Moi, je vais vous dire honnêtement mon avis sur l'anime. Moi, j'ai regardé que l'anime, les gars. Je suis only anime sur celui-là. Frérot, moi, j'ai adoré les premières saisons. Le milieu des saisons, je me suis fait un peu chier. Mais la dernière saison, je l'ai trouvé incroyable. Quand c'est un peu mood fin du monde et tout. Et là, va y avoir une nouvelle saison bientôt. Moi, j'ai kiffé. J'ai eu juste un petit coup de mou sur le milieu de l'anime. Mais pour moi, si je devrais être honnête, mais il y en a qui vont me cracher dessus là. Si je dis mon avis, je le mets dans un très haut top. En vrai, pour un mec qui commence les animes, c'est un bon conseil. De regarder My Hero Academia, c'est un très bon premier anime, je pense. Je vais le mettre dans très bon. Parce qu'il est, il est trop bien. Juste comme je vous le dis, le milieu, les deux saisons du milieu, j'ai pas trop kiffé. Alors, Dr. Stone, si je dis pas de la merde, les gars, l'histoire, c'est pas tout le monde entier était sous forme de statue. Et il y a un man comme ça, il a réussi à ne pas être transformé en statue. Et du coup, c'est tout le début d'une nouvelle humanité. Est-ce que c'est ça? Si je dis pas de la merde, c'est comme ça qu'on m'avait pitché le truc. Sauf si je me trompe d'anime. Vous mettez combien sur 10 à Dr. Stone? Un bon 8, c'est incroyable. Il y a combien d'épisodes, les gars? Incroyable, tu vas adorer. Un bon 9. Oui, bah mec, je me le note alors. Inox incroyable Dr. Stone. Donc bon, on va les mettre dans pas vu. Ensuite, on attaque le cas Demon Slayer. Alors moi, j'ai pas lu le manga, je regarde que l'anime. La meilleure saison de Demon Slayer, mais j'ai pas été trop fan de la dernière saison. Elle m'avait pas trop marqué, mais par contre, le quartier des plaisirs, quand le man il perd son bras et tout, c'était une masterclass. Pour moi, c'était la meilleure saison pour l'instant. Mais c'est vrai que la dernière saison, j'ai pas surkiffé. Elle était lourde, mais j'ai pas surkiffé. Et en termes d'histoire et tout, je sais pas, c'est... J'aime bien, l'anime est exceptionnel, l'animation c'est un 100 sur 100. Maintenant, en termes d'histoire, de trucs et tout, je sais pas trop. Moi, mon avis sur Demon Slayer, les gars, c'est cool. Je vais me faire taper dessus. Moi, je le mets dans OK tier, je pense. Après, voilà, je sens que je vais me faire taper dessus. Ensuite, Solo Leveling. Alors ça, les gars, c'est un webtool. Si je dis pas de conneries à la base, Askip, l'anime vient de sortir. Il y a vraiment pas du tout longtemps. Et j'ai mon pote, bah Mathieu, le frérot qui est mon assistant qui est tout le temps avec moi. Il regarde, il m'a dit c'est une masterclass. Bah lui, il a tout lu. Il m'a dit l'anime est incroyable. Mais en tout cas, c'est un autre truc que je dois regarder aussi. Absolument à voir. À vous, vous le mettez dans absolument à voir ou pas Solo Leveling? Masterclass banger absolu. C'est une dinguerie de baiser. Donc Solo Leveling, pas vu, mais vous l'aurez mis dans à voir absolument.
monde. Donc moi, je vais le mettre dans pas vu, malheureusement, parce que je peux pas le classer sinon. Je vais mettre un ordre, au moins, de ce qu'il faut que je vois en premier. Comme ça, vous allez me donner votre avis sur ce qu'il faut que je regarde. Ok, les amis, Blue Lock. J'ai regardé les 7 premiers épisodes. Et j'ai arrêté. Moi, je vais me faire insulter parce que j'ai pas trop accroché tant que ça. En fait, je kiffais le délire de il y a 100 mecs, il en restera qu'un. Anime de sport, j'avais jamais trop regardé à part Hippo. J'ai regardé un peu. Je me suis tapé Blue Lock en mode c'était un peu New Gen, en mode bien animé et tout. J'avais bien kiffé. J'ai pas réussi à tenir. Bon, moi, si ça tiendrait qu'à moi, je mettrais pas ouf parce que j'ai pas regardé tout. Et un mec a dit dans le chat, ça pue la merde, tu peux le dire. Ah non, non, les gars, chacun ses goûts, frère. Bon, en vrai, Blue Lock, si je le mets en pas ouf, vous allez m'insulter, mais c'est mes goûts à moi. J'ai pas vu la fin, donc est-ce que je peux me permettre de juger une œuvre sans avoir fini? Au pire, vous savez quoi, je le mets là, et je mettrai une case pas finie. Comme ça, au moins, on prend pas la tête. Attends, il y en a un qui me fait du pied depuis tout à l'heure. Là, on va avoir des débats dans le chat. Les amis, j'ai pris celui qui m'intéressait. Attaque des Titans. Je pense qu'il y a 3 ans, j'avais fait une vidéo en live, j'avais dit l'anime que je déteste, c'est Attaque des Titans. Il y a 5 mois, je me suis dit, nique sa mère, je vais re-regarder. Et j'avais regardé jusqu'à niveau 10, jusqu'à épisode 10, j'ai dit, ouais, j'aime pas du tout. J'ai re-regardé Attaque des Titans. J'ai fini, j'ai dit, ok, mec. Jamais vu ça, en fait. S'il y en a qui ont pas vu Attaque des Titans, c'est la civilisation qui est bloquée entre des murs. Et à l'endeur des murs, il y a que des titans partout. Il y a que des titans partout qui mangent les humains. Et eux, ils sont bloqués dans les murs et ils veulent aller découvrir ce qu'il y a en dehors des murs, sauf qu'il y a des titans qui les mangent. Et le but de l'anime, c'est ça. Bref, au début, tu te dis ça, le pitch est incroyable. Et au final, moi, je l'ai conseillé à plein de gens de ma famille, genre ma cousine, etc., qui regardaient pas d'anime. Et au final, je lui ai dit, regarde ça. Et si tu aimes pas, je suis une salope. Frérot, elle a kiffé et dit tout vous, elle a jamais regardé d'anime, mais maintenant elle regarde Attaque des Titans normal. Elle m'a dit c'est incroyable, c'est de la folie. Donc les amis, je le mets dans Avoir absolument. Si je ne le mettrais pas plus haut, même si je pouvais, les gars, on peut pas le mettre en dessous que Avoir absolument. Il est trop unique. Ok, Jujutsu Kaisen. Bah là c'est bon, là on va m'attaquer. Bon après, encore une fois, j'ai regardé tout l'anime et toutes les saisons. J'ai regardé le film aussi. Moi, je trouve ça lourd. C'est lourd de fou, animation de baiser. Maintenant, je suis pas attaché au personnage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'arrive pas à m'attacher au perso. J'arrive pas à m'attacher à l'histoire. J'arrive pas à avoir cet attachement que j'ai peut-être avec d'autres mangas. Là, Jujutsu Kaisen, j'ai l'impression que c'est un peu différent. Il y a des trucs, des fois, je comprends pas. Peut-être parce que, après, ça se trouve, j'ai mal regardé, tu vois. Mais il y a des trucs où je me dis, c'est un peu la facilité, tu vois. J'ai l'impression, en fait, c'est le flow. Jujutsu Kaisen, c'est si tu veux voir du flow, si tu veux voir des trucs qui pètent, si tu veux voir une animation qui pète, si tu veux voir des persos qui ont du flow, qui ont, quand ça se bat, ça a la classe et tout, c'est incroyable. Ça, je suis d'accord. Maintenant, en termes d'histoire et tout, j'arrive, et des personnages et tout, j'arrive pas à m'attacher. Donc, je le mettrais en un peu surcoté. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que je suis un enfoiré? Faut lire le manga, voilà. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi, ceux qui n'ont pas lu le manga, que mon avis peut être, vous pouvez être d'accord. Si t'as pas lu le manga, par exemple. Mais là, on parle que de l'anime. Après, on parle aussi de l'œuvre en elle-même, mais c'est vrai que comme je regarde que l'anime, je l'ai pas fini en manga. Minimum très bon, t'as raison. Moi, je le mets quand même dans très bon ou ok tiers. Mais je le mets plus haut que Demon Slayer, je pense, en termes de tout. Mais je le mets pas dans Avoir absolument. Vas-y, on va le mettre dans très bon. Ensuite, One Piece. Bon, les gars, je pense One Piece, honnêtement. Vous le savez, c'est mon manga animé préféré. On va pas tergiverser pendant 100 ans. Avoir absolument. Après, petit débat avec le chat que j'ai envie d'avoir. Ok, là, on va faire un petit débat. Est-ce que One Piece, en animé, vous le mettez dans Masterclass du siècle? Ou est-ce que vous mettez One Piece en manga dans Masterclass du siècle? Parce que si on parle... Parce que moi, bon, j'ai tous les mangas One Piece. Mais maintenant, moi, j'ai frissonné sur l'anime. Maintenant, putain, qu'est-ce que c'est long, quoi. Il y a quand même 3 épisodes sur 4, mec, ou... Mec, c'est long, quoi. Pas fou, je trouve. Mais après, en manga, Masterclass. Avoir absolument. Quand même, on peut se le mettre. Ensuite, on a Hell's Paradise. Alors moi, les amis, j'avais lu le premier tome. J'avais pas trop kiffé, perso. Dis-toi, je l'avais lu. Je m'en rappelle même plus. C'est-à-dire, je l'ai lu le premier tome. J'ai dit, ouais, pas kiffé. Ouais, je suis pas trop fan. J'ai lu le premier tome. Après, j'ai pas vu tout. Donc, c'est vrai que je peux pas trop me permettre de juger. Mais bon. Allez, on va taper avec un aussi de la New Gen. Que pour le coup, celui-là, j'ai beaucoup aimé, les amis. J'ai beaucoup aimé Chainsaw Man. En anime, j'ai pas lu, les amis. J'ai adoré, les amis. J'ai adoré la saison. Même en termes de réalisation, je trouve que c'est incroyable. Si un jour je devrais faire un anime dans ma life, et bah je m'inspirais de Chainsaw Man en termes de visuel. J'adore le mood, c'est magnifique. Et j'avais bien kiffé. Le rythme, il va vite. Tu comprends tout. Mec, je le mettrais dans très bon, je pense. Hein. Très très bon. Mais moi, franchement, incroyable. J'ai adoré. L'ordre, je dirais ça, moi, mon ordre. Allez, on passe à Dragon Ball. Moi, les amis, Dragon Ball, c'est le premier que j'ai regardé. Bon, après, il y a Dragon Ball et Dragon Ball Z. Là, pour le coup, c'est Dragon Ball Z. C'est le tout premier que j'ai regardé et que j'ai lu. Moi, j'ai bien kiffé Dragon Ball. Et c'est grâce à ça un peu que j'ai commencé à lire et à
regarder des mangas. Donc en vrai, à voir absolument. Est-ce que je le mets dans à voir absolument pour un mec qui a jamais regardé? Est-ce qu'il va kiffer, sachant que c'est l'anime, c'est pas comme Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, c'est à l'ancienne. Est-ce que tu le mets dans à voir absolument pour un mec qui a jamais vu? Mec, quoique le début de One Piece, mec, en anime, il est pas incroyable non plus en termes de qualité. Moi, je le mettrais dans à voir absolument, hein, parce que c'est un classique, c'est un pilier, mais ça date. Alors vous allez m'insulter. Oh là là, mon avis. Il y en a qui ont dit Dragon Ball GT, ça pue sa mère. Et bah moi, pour moi, c'était un de mes préférés, les amis. J'ai adoré Dragon Ball GT, les gars. Je sais pas vous, mais moi j'ai adoré. Il y a pas longtemps, j'ai regardé rien à voir. Hein. J'ai regardé le film aussi. Les films Dragon Ball sont incroyables. J'ai regardé le film avec Trunks du futur et Gohan. Quand Gohan il perd son bras et tout. Bon, je spoil pas. Je viens de spoil. Bref, ce film là avec Trunks du futur, c'est le meilleur film Dragon Ball. C'est le meilleur film Dragon Ball. J'ai adoré. Il y en a plein qui ont détesté Dragon Ball GT. Moi j'ai adoré. SSJ4, meilleure transformation de Son Goku. Et Dragon Ball Super, j'ai adoré. Il y en a plein qui ont pas aimé non plus. Moi j'ai adoré la drill, hein, l'ultra instinct. Quand l'épisode de l'ultra instinct est sorti, je me rappelle, je crois que j'avais fait un live sur ma chaîne, mais j'avais 10 viewers. J'ai eu des frissons de baiser. Dragon Ball Super, c'était quelque chose. Je sais pas si c'est fini ou si ils vont continuer, en fait. Ensuite, il y en a pas mal que j'ai pas regardé là sur cette petite ligne. Bon, il y a Block, du coup, comme je vous l'avais dit. Moi, j'avais pas trop kiffé. Pas le mettre en pause, sinon vous allez m'insulter. Il y en a que je connais pas dans cette liste. Et Black Clover. Alors, celui-là, on va quand même le mettre parce que je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui l'ont vu, qui me harcèlent. Inox, regarde Black Clover. Regarde Black Clover, c'est incroyable. Est-ce que c'est vraiment si incroyable que ça, Black Clover? Encore une fois, on fait une tier list des animes only Crunchyroll, les amis. Bien, mais sans plus, c'est vraiment bien. Moyen. Ah ouais? Ouais, c'est incre. Banger, frère. Très bon. Non, pas autant. En sar, c'est pas ouf. Ah ouais, ok. Gaze. Les gars, vous avez trop un avis tranché, les frères. Vous avez trop un avis tranché, vous êtes des malades. Vous direz début moyen et après incroyable. Donc ok, tiers ou très bon le chat. Bon, je mets en dernier des très bons, c'est pour vous alors. Ensuite, on va parler, alors celui-là les gens. Alors, celui-là, je suis en train de le regarder actuellement. J'ai presque fini. Vinland Saga. Alors moi, je déteste tout ce qui est un peu viking, époque un peu comme ça, les guerres. Et bah, vous voulez savoir la vérité? J'adore. Et tu vois, j'avais regardé Attaque des Titans, et là, je regarde ça. Je pense que tu prends Attaque des Titans, tu mets Vinland Saga, tu mets les deux. En fait, c'est les deux opposés. En fait, si tu regardes Attaque des Titans, il faut que tu regardes Vinland Saga. C'est trop deux histoires qui sont à côté. Pas pareil, elles sont pas pareilles, mais justement, t'en as un, c'est la haine et la vengeance et tout. Et de l'autre côté, t'as enfin, mec, non, c'est incroyable. Non, moi, j'ai trouvé sa masterclass. Il y en a qui aiment pas la saison 2 parce que soi-disant c'est un peu mou, l'agriculture, etc. Je vais pas spoil et tout. Moi, j'adore. Moi, honnêtement, Vinland Saga, je le mets dans à voir absolument parce que ça va vite. C'est pas mou. Tu comprends l'histoire. T'as envie de savoir. T'as ce suspense qui fait que pour moi, un mec qui a jamais regardé d'anime ou quoi, il peut kiffer avec un truc comme ça. Je sais pas, vous êtes d'accord ou pas le chat sur mon avis à le mettre dans à voir absolument ou vous l'aurez mis dans pas ouf au ok tiers. Et après la saison 2, il y en a plein qui ont pas du tout aimé. Moi, je suis en train d'adorer. Et sincèrement, saison 1 masterclass, saison 2 plus sa mère. Parce que les gars, il y a pas que la tape et tout, c'est ça que j'aime bien, tu vois, c'est moi j'adore la saison 2 là. En ce moment, je suis en train de la regarder, j'ai presque fini, j'adore. Après, j'ai pas envie de spoil des gens qui ont pas vu. Quand il lui dit "Mais tu n'as pas d'ennemis." Oh là 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 là. Non, je les mets dans absolument à voir, les gars, en vrai. Donc voilà. Bon, après, les gars, il y en a plein que j'ai pas lu. Comme vous avez pu le voir, je sais pas c'est quoi les blasts des autres. Darling. J'ai pas vu, les gars. J'ai pas envie de m'avancer sur des blasts. Alors, lui, par contre, il y en a beaucoup qui en parlent. C'est quoi le blast de celui-ci, les gars? Machel. Ok. Machel est vraiment incroyable. Et je vais mettre dans pas lu parce que je l'ai pas lu. Lui, je l'ai lu, Blue Lock, mais du coup, j'ai pas envie de le mettre dans pas ouf parce que j'ai pas fini. Donc, il y en a qui vont me dire. Ça se fait pas, tu peux pas mettre dans pas ouf. Mais en tout cas, voilà ma petite tier list des animes Only Crunchyroll, les amis. C'est pas dégueu. Franchement, le petit top est pas dégueu. J'espère que vous êtes à peu près d'accord avec certains avis que j'ai. Peut-être vous allez pas être d'accord avec d'autres. Mais encore une fois, merci à Crunchy qui a bien voulu faire cette petite tier list avec moi. Et tous ceux qui veulent, n'hésitez pas à aller dans le lien dans la description pour prendre un abonnement. Vous aurez 30 jours gratuits avec mon lien. Et on tirera au sort quelques-uns d'entre vous pour avoir 3 mois gratuits. Voilà, encore merci à Crunchyroll, les amis, pour cette petite tier list. Et là, on va partir sur Rocket League. Hello, brother. Brother, you hear me? Yeah. Oh, fuck. Bro, the defense, bro. I'm on stream, brother. Oh, okay. That's... But it's okay. Go win, my bro, okay? Oh, la la la. Oh, nice, nice play, bro. Thank God they fucking missed. Look this girl! Look this girl! Look this girl, brother! I don't think I have it. Actually, I do.
Ok, fail. Oh yes! Yes, my bro! GG! Des GG dans le chat, ça c'est un bon mate. How old are you? I'm 18. 18? Fous de ma gueule! Il a 18 ans lui! Ayav, ayav, ayav. For me. Ok, let's go! Let's go! Go, it's for you, it's for you! Center! Oh là 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 là. Ce poulet, regardez-moi ce poulet braisé, nice, des GG nice. Dans le chat. You're French? Yes, I'm French, bro. And you? I'm Italian. Italian? Yeah, we're not too far, man. Pizza, pizza? Oh le raciste. Yes, pizza, pizza, I'm from... Ah, and I fucking go. Okay, I go. Oh! Nice. Oh, this defense, nice, brother! What Let's go, fuck? My bro! Nice. Okay, il a... Oh, that was shit. Got it. Allez gros 5-2 nice. C'est comme ça qu'on fait. GG dude. GG my bro. Nice game. Ok, it's for you, it's for you, for you. Go center. Oh la 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 passe. Oh la 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 la. Oh la la GG bro. Ok oui, il bande le joueur. Mec, il est trop content de mon niveau. Bro, I'm SSL. Nah, I don't believe you. Like you're a good player for sure. But SSL, really? No, no, I'm Playing joking. Casual? I'm joking. I'm just vessel. Je comprends pas, il est anglais. Center for you, my bro. Oh non! Oh, non! Oh, les shit! Oh. It's okay, it's okay. No. Let's go! Yeah, nice. What a shot! Yes! What a let's go! What a fucking shot. I wanna see that again. Qui est team vacances? Qui est team court là? Force à eux, hein, ceux qui sont team court. Hein. Oh, oh là là, nice, my bro! Nice. Allez, nice, again, yeah. Again, bro, again. When we win, we stay together, ok? Alright. C'est un bon, l'Italien. Ouais, je suis contre lui, les gars. Je suis contre lui. Je suis tombé contre l'Italien. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait? Let's go, premier but. Mec, il voulait trop être encore avec moi, l'Italien. Quel crack. Ici, on bouge. Hop, ok, parfait. Ça va rebondir, on prend la reprise. Et là, hop, on met le but. Oh là là, dommage, c'est un beau pré-shot, mais on va le faire, quand même. On finit le travail, le renard de surface. Merci d'avoir été là ce soir. Moi, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, reposez-vous. Des bisous tout le monde. Merci d'avoir regardé le live.